Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le dimanche 22, oui c'est ça, 22 janvier, et j'en profite pour vous souhaiter de vive voix mes meilleurs voeux pour l'année 2023. J'espère que vous serez tous en bonne santé et que vous allez passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et par la même occasion, le Père Noël vous a bien gâté. Ici, bah écoutez, le temps très très gris aujourd'hui, très foncé, c'est pour ça que la lumière est peut-être pas géniale. J'ai fait au mieux. On a eu de la neige avant-hier. Bon, ça nous paralyse un petit peu. C'est vrai qu'à la campagne, c'est un petit peu compliqué quand il y a un peu de neige parce que bah voilà, les routes ne sont pas dégagées tout de suite. C'est pas comme dans les grands axes. Mais bon, ça a été. Moi, quand c'est comme ça, je reste à la maison, je ne sors pas. Comme ça, pas de souci. Eh bien, écoutez, le point météo étant fait, on va passer à la suite. Et on va commencer par le pull que j'avais réalisé pour mon mari. Donc, je devais le terminer pour Noël. J'aurais pu, mais manque de chance, il m'a manqué quelques grammes de laine. Donc, je l'ai terminé entre les deux fêtes. Bon, c'est pas grave, il savait, il m'a vu le tricoter, donc c'était pas dramatique, mais bon, tant pis pour moi, j'ai pas tenu mon délai. Alors, ce pull, c'est le saut basique, de Maxime Cyr. Un pull très très sympa, donc je ne lui ai pas fait la poche parce qu'il n'aime pas, mais autrement, tout en jersey, donc tout simple, et puis les manches. Les manches avec un petit jeu de côte que je vais vous montrer presque tout de suite. Donc ce pull, je l'ai réalisé en journée de la pelote vagabonde. C'est le coloris, le chuchotement des pierres. Très très jolie laine que logiquement j'avais pris pour moi. Je voulais m'en faire un pull ou une veste, mais bon. Voilà, j'avais que cette laine de disponible en grande quantité aux alentours des fêtes, donc j'ai décidé de le faire pour mon mari. Donc c'est une laine qui est 75% mérino superwash, 25% soie, et c'est tout. 400 grammes pour 400 mètres pour 100 grammes. Je parle à l'envers. Et puis voilà, il m'en a manqué un tout petit peu. Là, il m'a manqué, je sais plus si j'ai noté. Je crois que c'est une vingtaine de grammes. Il me semble que j'ai calculé. Voilà, sur ma pelote de. Alors, je recommence par le début. Je l'ai complétée avec toujours la pelote vagabonde. Je pensais qu'elle avait encore de la journée, mais apparemment non. Donc, je l'ai continuée avec de l'abri. Abri de la pelote vagabonde. Que je vous montre à l'endroit, c'est mieux. Voilà, donc l'abri, c'est une fingering qui est 100% mérino superwash. Donc il me reste donc sur les 100 grammes, ouais, c'est ça, sur les 100 grammes, il me reste 82,53 grammes. Donc vous dire qu'il m'en manquait vraiment très peu. Hein. C'était ce coloris gris qui est dans la petite chaussette que m'avait offert Karine l'an dernier pour le calendrier de l'Avent, ma très copine Karine Guimossa sur les réseaux sociaux. Coucou Karine. Donc voilà la couleur de la laine, c'était le, et j'ai trouvé le même coloris, c'était le chuchotement des pierres. Et en fait, il n'y a pas eu de problème par rapport aux différences de coloris. Je pensais, alors j'ai quand même fait quelques allers-retours en incluant ma laine dedans pour être sûr que ça fasse pas de démarque, mais finalement non, ça n'en fait pas. Alors je vous montre le pull de mon mari. Hop hop hop,
Voilà, 45, 47 centimètres de jersey dessous les bras. Je me suis bien amusée. Et voyez, voilà, l'abri en fait est passé. Hop. Faut pas que je lève trop la tête, sinon j'ai le rond lumineux qui se met dans les lunettes, c'est pas agréable. Voilà, voyez, juste dans les côtes. J'ai fait peut-être un petit centimètre ici de jersey avec les deux laines différentes. Mais c'était principalement dans les côtes, donc je trouve que ça se voit pas et que ça passe bien. Donc voilà, le pull de monsieur. Alors c'est un pull qui se commence par le haut, hein, classique, par les côtes. Oui, par les côtes. On continue en rond avec les. Je m'approche un petit peu. Voilà, avec les raglans, tout simple. Et on commence tout de suite en haut du raglan. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, un petit peu une maille envers et des côtes. Enfin, des côtes du jersey, donc ce qui fait une petite côte plate en fait. Ça fait son petit genre, c'est assez sympa. Vous voyez là, il en voit un petit peu mieux peut-être. Donc, on continue donc son pull jusqu'aux emmanchures. Ici, on laisse les manches en attente. Oh, faut que je fasse attention à la lumière, j'ai dit. On laisse les manches en attente. On continue pour ma part. J'ai dû faire 48 cm de jersey et 5 cm de côte, quelque chose comme ça. Donc voilà. J'aime autant vous dire que c'est long. En aiguille 3,5. Hein. Oui, c'est ça, en aiguille 3,5. C'est long. C'est très long. Mais bon, on suis arrivé à bout. Hein. Sympa, comme. Alors moi j'ai bien aimé tricoter cette laine. Après, il y a des petites taches de gris un peu plus soutenues. Moi personnellement, ça ne me dérange pas. Mon mari non plus l'aime bien. Donc bon, elles sont pas de partout. On voit que c'est vraiment à certains endroits. Devant comme dans le dos d'ailleurs. Voilà pour ce qui est de. Donc j'ai mis 4 échevaux de journée. Ouais, 4 échevaux de journée. Et bah voyez, il en m'en a manqué juste pour faire le bas des côtes. Alors je voulais pas. Alors c'est vrai que j'aurais pu le faire un petit peu plus court, mais. Ça m'embêtait parce que c'est vrai. Je vais stopper le son de ma tablette que j'ai préparé pour vous montrer. Voilà. C'est un peu pénible. Oui, je disais que j'aurais pu lui faire un peu plus court, mais bon. Il aime bien les pulls un peu longs, ça lui couvre bien le bas du dos. Donc j'ai préféré, bah, tant pis, racheter une pelote d'abri et puis voilà, même coloris, donc ça n'a pas fait trop de différence. Donc ben voilà, il va pouvoir le mettre parce que ben depuis là il n'est pas bloqué en plus. J'ai eu la flemme de le bloquer tout de suite, faudrait que je le fasse pour qu'il puisse le mettre parce que du coup il l'a pas encore mis. Alors bon, ça va, il n'est pas trop impatient. Il a les autres hein, que j'avais fait l'année dernière, hein, mais bon. Voilà pour ce qui est le pull de mon mari. Et du coup, alors il m'en a commandé, je ne vais pas dire qu'il les a commandés, mais j'en ai proposé de lui en faire deux autres dans l'année. Alors, oui, Sam, il faut qu'il choisisse les modèles. Il y en aura un bleu et un dans des marrons taupes un peu, qui sont, j'ai déjà la laine, mais bon. On verra ça, ce
qu'il va choisir comme modèle? Bon, il n'est pas compliqué. C'est vrai que mon mari, je lui ferai tout du jersey, ça ne le dérange pas. Mais bon, là, s'il veut une autre encolure ou s'il veut un petit motif ou quelque chose, on verra. Je vais le laisser choisir. Voilà pour ce qui est du pull de mon mari. Ensuite, cet hiver, j'ai participé au cal d'Emma et moi, qui a fait un cal sur le thème Les ombres de la nuit. Alors, on s'est inscrit, bien sûr, et puis elle nous a envoyé les mercredis et les samedis un indice des chaussettes. Très très bien fait son cal, j'ai trouvé, parce que on était accompagné pour les personnes qui sont débutantes entre guillemets. Elle nous a accompagnés en nous montrant les petites parties un petit peu techniques, on va dire. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment très très sympa. On a vu aussi des tutos où l'on pouvait se référer. Et vraiment très très bien ce cal. Je crois d'ailleurs qu'il me semble que vous pouvez retrouver sur Ravelry le patron de ces chaussettes, il me semble. Je n'en suis pas sûre à 100%, mais il me semble. Alors voilà nos petites chaussettes. Donc moi, bah, il y en a deux. Alors mon souci, ça a été que. Enfin, mon souci, il y a grand mot. Mais je les ai fait l'une après l'autre parce que je ne savais pas au départ si c'était un motif qui allait tourner autour de la chaussette. Et comme j'avais eu le souci avec celle que j'avais fait pour Mélissa, j'avais été obligée aussi de faire l'une après l'autre. Donc là, je les ai faites l'une après l'autre. Donc vous savez, c'est pas ma tasse de thé de les faire l'une après l'autre, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà ces chaussettes. Les ombres de la nuit, c'est ça, hein? J'ai toujours. Oui, c'est ça, les ombres de la nuit, qui étaient donc pour Noël. Alors, évidemment, chez moi, c'est du rose. C'était la laine, des laines qui me restaient, donc voilà. Alors, je l'ai faite en baby mérino. Oh, pardon. En baby mérino pour ce qui est de la rose. Et la blanche, c'est la bergère de France. Voilà. Donc, on commençait par ce petit haut qui est assez rigolo. Ça nous fait une petite. Alors, de vagues, non, plutôt de montagne, vu la saison. Comme des petites montagnes qui étaient très très sympas. Ensuite, on a continué par des côtes bicolores, des côtes torse bicolores. Et puis, on a commencé le jacquard de la chaussette. Alors, qui est comme ceci d'un côté et de l'autre côté, voilà, ce sont des sapins, des arbres, des étoiles. Vraiment très très sympa à faire. Alors, assez long parce que du coup, comme elle n'a pas voulu nous dévoiler le motif, au départ on n'a pas eu de grille pour le faire et c'était les explications tout écrites. Et je vous assure que pour faire un rang complet, il fallait être très concentré. Donc moi j'ai fait ces chaussettes. Toute seule dans mon bureau, là je pouvais pas ni écouter un podcast ni écouter quoi que ce soit, une émission. C'était vraiment toute seule dans mon atelier à faire mes chaussettes. Donc, à part ce petit alors désagrément, c'est pas vraiment un désagrément, mais cette petite contrainte pour moi en tout cas, parce que je sais pas si mes collègues ont eu le même souci, mais il a fallu être très très concentré pour construire ce jacquard. Alors un jacquard de couleur, tout simple, hein, enfin tout simple. Pas compliqué, mais qui demandait beaucoup de concentration. Et puis alors je vais vous en défaire une pour vous montrer l'intérieur de mon jacquard, parce que moi j'ai tissé, parce que j'ai horreur d'avoir des fils tirés dans un jacquard. Donc, voilà, tout l'intérieur de mon jacquard est tissé. On n'a pas de fil tendu.
Et c'est vrai qu'en général, moi, je fais toujours mes jacquards de cette façon. Quand j'en fais, alors je fais peu de jacquards, c'est vrai. Faut peut-être que je m'y mette, mais j'aime bien. Ouais, je sais pas pourquoi, mais je fais peu de jacquards. Et j'aime bien justement que les fils soient tous entrelacés derrière. J'aime pas quand il y a des fils qui sont tendus. Bon, après, ça, c'est mes goûts, hein, c'est moi. Donc voilà notre petit avec nos petites maisons qui sont super sympas. Mais c'est vrai qu'au début, tant qu'elles n'ont pas été terminées, moi j'ai eu du mal à voir à quoi ça ressemblait. Mais vraiment très sympa. Ensuite, on a fait un petit peu de jersey blanc et puis on a attaqué le talon en contrastant, donc dans le rose, un talon en rang raccourci, les German Short Road. Puis on a repris notre chaussette et là, alors vous voyez, ouais, je pense que vous voyez, on a fait une petite dentelle qui représentait des marques de pas, de raquettes dans la nuit, enfin dans la nuit, dans la journée où on pouvait se promener. C'était assez sympa. Et puis on a terminé par ce petit jacquard un petit peu de petits flocons, de petits. Voilà, très sympa. Et puis bah, la pointe à la façon de Christelle Desmailles et moi. Bien arrondi. C'est vrai que c'est une autre forme de talon que je ne fais pas habituellement. Ça fait vraiment une chaussette arrondie quand on la prend dans l'autre sens. Vous voyez, elle est quand même plus arrondie que celle que je faisais avant. Donc j'aime bien ce système. Je crois que je vais l'adopter. Avec les petites chaussettes de Noël que donc j'ai fait, qui ne sont pas bloquées non plus cette année. Il va falloir que je me mette au blocage parce que c'est vrai que là je les ai mis sur les supports, mais faut peut-être que je les bloque quand même pour bien voir ce que ça donnait. En tout cas, je voulais pas les porter avant d'avoir fait cette vidéo parce que je trouvais que c'était plus sympa de les avoir vraiment toutes neuves. Donc voilà mes petites chaussettes super sympa d'Emma et moi. Je vous ai tout dit sur les chaussettes, oui, je pense. Et puis bah écoutez, je me suis amusée. Alors j'en ai fait plusieurs. Là, je vous en montre qu'une parce que les autres, je les ai offerts à ma fille et à ma petite fille. J'en avais fait aussi pour Mélissa, ma swappée du calendrier de l'Avent. Et j'ai fait des petites éponges de bain. Alors celle-ci, elle est multicolore puisque je l'ai fait avec tous les restes que j'avais de ma fille, ma petite fille et tout ça. Voilà. Alors, c'est un petit modèle de. Alors, je ne vous ai pas dit d'émailler moi. Non, mais il n'y avait rien à dire puisque c'était son design à elle. Et là, c'est un modèle de Lydia Crochet Tricot. Lydia Crochet Tricot qui fait des jolies petites éponges comme ça. Alors, c'est super facile à faire. Un petit peu long, enfin, un petit peu long. Le dernier rang, c'est très très facile. Simplement, le dernier rang est un petit peu long. Mais ça va quoi. Là, je la fais quoi? En une journée complète, elle est faite quoi. Enfin, si je m'y mets le matin et que je m'y tiens toute la journée, elle est faite. Alors, je l'ai faite en coton avec des petits cotons qui me restaient. Je sais plus, il doit y avoir plusieurs. Non, celle-ci, c'était. Je l'ai faite en Natura de DMC, si vous connaissez. Voilà, celle-ci. Mais vraiment sympa et facile à faire. Donc celle-ci non plus, je ne l'ai pas encore utilisée. J'attendais de vous l'avoir montrée. Ma fille l'a utilisée. Elle a trouvé que c'était super sympa.
Et je lui ai fait le même principe d'éponge. Ben, là, j'en ai pas sous la main. À l'occasion, je vous les montrerai. Le même principe d'éponge, mais en forme de rose et en fibre bubble. Vous savez, c'est ces fibres qui sont un petit peu piquantes, là, qu'on sert souvent pour faire la vaisselle. On en fait souvent des éponges pour faire la vaisselle. Mais je vous montrerai la prochaine fois parce que là, j'en ai pas sous la main. Enfin, je dois en avoir une dans ma cuisine, mais qui est toute mouillée, donc voilà, ça sert à rien que je vous la mette de partout. Et donc ma fille, alors celle de la rose, elle est en forme de rose. C'est un modèle de Alexia Tricot que vous pouvez retrouver sur YouTube. Hein, ces deux designers sont sur YouTube. Donc ma fille s'en sert, elle a dit c'est trop joli pour faire la vaisselle. Donc elle s'en sert en exfoliant sur le corps. Elle me dit mais ça va super bien. En exfoliant et elle s'en sert d'éponge de bain aussi. Donc elle a les deux. Une toute douce comme celle-ci et puis une un peu plus abrasive on va dire. Décapante. Donc voilà pour ce qui est des petits projets terminés de cet hiver. Alors j'ai pas fait, je trouve que j'ai pas fait grand-chose. Enfin, non, je dis ça, c'est faux. J'ai pas fait grand-chose que je peux vous montrer comme ça là que j'ai sur place. Mais en fait, je vous mettrai des petites photos par-ci, par-là. Des petites choses que j'ai réalisées pour le calendrier de l'Avent. Donc, ils m'ont pris quand même pas mal de temps. Là, il y a un peu de tout. Hein. Il y a du crochet, il y a du tricot, il y a du quilling, il y a de la gravure sur verre. Enfin, vous verrez, je vous mettrai quelques petites photos de ce que je dois avoir une photo globale et puis des petites photos séparées. Soit elles seront là, soit elles seront en début de vidéo. Je vais voir comment j'organise tout ça. Donc voilà. Après, vous avez pu voir que j'avais une petite blessure terrible. C'est rien, c'est le chat Pelote. La petite chatte, je vous en avais parlé il y a quelque temps où je cherchais un prénom et tout ça, que j'avais récupéré et qui m'a mordu. Donc, j'étais handicapée quand même pendant une bonne semaine où j'ai pas pu tricoter. Parce qu'en fait, ouais, je suis partie aux urgences le soir même où ça s'est produit. Parce que bah, j'avais désinfecté vite fait. Je suis partie aux urgences parce que ma main avait enflé, que c'était rouge, ça me faisait mal. Et j'avais tout le bras jusqu'à l'aisselle qui était rouge en dessous. Là, tout le bras était rouge. Et ça m'a un peu inquiétée. Ensuite, le soir, la plaie est devenue noire. Alors, j'avoue que ça m'a beaucoup inquiétée. Donc, je suis allée aux urgences, à la maison médicale, c'est pas vraiment les urgences, mais à la maison médicale à Valence, le soir, à 8 h du soir. Et du coup, j'ai eu un traitement antibiotique, donc ça n'a pas été très grave. Mais bon, c'est vrai que j'avais du mal à. Ma main avait doublé de volume. Et pas pouvoir tricoter pendant une semaine. Donc je vous assure que c'était pas évident pour moi. Bref, ceci étant dit, voilà, là ça y est, c'est passé. J'ai enlevé les pansements. Je suis retournée voir mon médecin après parce que bien sûr le noir avait blanchi. Donc c'était. Je vous raconte tout ça. 36-15, my life. Mais voilà, il a excisé, il a tout nettoyé, et voilà. Donc maintenant c'est reparti, je peux retricoter. Bref, ce qui m'a empêché d'avancer ce que j'avais là pendant plus une bonne semaine, ça m'a empêché d'avancer tout ce que j'avais commencé. Mais entre-temps, j'avais fait donc le châle saison. Alors le châle saison, voilà, qui est hop. Dans mon joli sac. Regardez comme il est beau. Et
tout doublé à l'intérieur. C'est ça qui m'a été offert lors du calendrier de l'Avent de cette année par ma tricopine Sophie. Tofi sur les réseaux sociaux. Coucou Sophie. Merci encore, il est trop beau. Je m'en sers tout le temps. Donc, elle m'avait offert ça. Ah ben, je vous montre quand même ce que ça va avec. Après, il y avait plein d'autres choses. Hein. Et elle m'avait offert, hop, ceci. Avec, donc ça, c'est une petite trousse. Oups, je ne la mets pas à l'envers. Voilà. Le rangement pour mes aiguilles. Avec une petite pochette. Et une deuxième petite pochette ici. Pour ranger bah, tous les petits ustensiles qui me servent. Et comme ça, je l'ai tout le temps avec moi. Et elle reste dans son sac. Elle a fait ça, elle a matelassé tout ça. C'est vraiment super joli. Et puis avec un petit mousqueton pour accrocher, bah voilà. Ou des marqueurs, ou peu importe, mais qui sert à accrocher. C'est très très pratique. Vraiment très jolie cette petite trousse, c'est surtout vraiment intéressant. Voilà, et donc ce sac, hop, je vous montre ça un peu tout à l'envers, mais et le sac, vous voyez, il y a une petite poche à l'intérieur. Vraiment très très cool. Merci, merci, merci Sophie. Je sais que je te l'ai déjà dit, mais... Ouais, alors donc, on en vient à notre châle. Donc c'est le châle... le châle saison. Le châle saison, vous devez le connaître, je suppose. C'est celui-ci. Oups. Alors, hop, voilà. Sans la lumière, c'est mieux. De laine poudrée. Voilà. Alors, un très, très joli châle. Alors, que je réalise dans les laines... C'est du mohair yarn. Je vais vous trouver l'étiquette. Ah ben, il y a le bâton là. Mohair yarn de Alison et Maë. C'est des laines de chez Action qui m'ont été offertes dans le calendrier de l'Avent de ma fille cette fois-ci, qui m'a fait la surprise cette année de me faire un petit calendrier de l'Avent. Très sympa. Donc, il y en a une qui est un peu pas vraiment blanc, je dirais un peu plus écru, et l'autre qui est hop. Alors désolé pour la pelote parce que bon, c'est un peu défaite, et l'autre qui est dans ce vert un peu pastel que j'aime beaucoup. Et donc ma fille essaye de me sortir de mes couleurs de prédilection qui sont, vous le savez, le rose. Donc voilà, comme j'avais un peu, elle m'avait fait un pull vert que je portais la dernière fois. Elle m'avait fait donc un pull vert et je me suis dit ça ira bien avec. Bon, il est un peu plus clair que ce qu'elle m'a fait, mais bon, ça passe. Donc voilà, donc j'avais quand j'ai vu ces laines, je me suis dit c'est deux pelotes de 100 grammes et j'ai dit je vais faire un châle. Et puis j'avais le châle saison qui était dans ma liste, dans ma bibliothèque de Ravelry. Et du coup, je me dis, bah oui, pourquoi pas. Donc, je le tricote en 3,5. Oui, 3,5. Et voilà ce que ça donne. Alors, voilà, on commence, hop. On commence par ici. Et puis, bah, une première section qui est tout en vert, une deuxième section qui la lumière, une deuxième section de rayures, une troisième section de dentelle. Alors, voilà, comme ça elle est plus jolie dans ce sens là je trouve, et puis à nouveau des rayures. Et voyez, j'ai fait l'erreur, mais tant pis, j'ai pas redéfait pour autant, plus c'était du mohair et je m'en suis rendu compte aux sections bien plus loin. Donc là j'avais 4 rayures de blanc, mais celle-ci il en a que 3, et bah tant pis. Et puis une autre section de points mousse tout en vert, une autre section de rayures, et ainsi de suite, dentelle, rayures,
et la couleur principale toute seule. Et puis, normalement, on s'arrêtait ici. Mais bon, franchement, je le trouvais pas assez grand. J'aime bien être, bien faire des tours avec un châle. Je le trouvais pas assez grand. Donc, j'ai décidé, comme en plus il me reste plein de laine, j'ai décidé de refaire là une section de rayures. Là, je vais refaire une section de dentelle, une autre section de rayures, et je terminerai par une partie comme ça, toute unie en vert, tout en point. Il est tout à l'endroit, sauf dans la dentelle où il y a un rang, enfin deux rangs en vert, un rang en vert de temps en temps, quoi, tous les deux rangs. Mais autrement, tout le reste est en point mousse, donc c'est très facile à faire. Hein. Alors voilà, j'ai mis tous mes petits marqueurs pour délimiter mes points de dentelle. Donc voilà, j'en suis là. Donc encore, ben, en fait, j'ai encore une partie comme ça à faire, quoi. Voilà. Tac, 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 tac. J'ai encore ça à faire, à répéter. Puis là, je pense que ça ira. Enfin, de toute façon, je me dis que je vais essayer d'aller jusqu'au bout de ma laine, parce que bon, une laine mohair comme ça, après, c'est pas une laine que je peux passer dans des chaussettes. Alors après, vous me direz peut-être dans une bordure, mais bon, j'avais envie d'un très gros châle, donc je vais me faire plaisir. Voilà pour ce qui est du châle saison de laine poudrée. Très, très. Très joli châle. Puis là, c'est vrai que en mohair comme ça, il est très doux. J'avais peur au début que ça pique un peu, mais non, non, il est très doux et très agréable à faire. Voilà, tout ça dans mon petit sac de Sophie. Donc voilà, donc je vous ai pas dit la composition de cette laine, c'est 55% acrylique, 30% nylon, 10% laine et 5% mohair. Donc oui, c'est pas de la laine, mais c'est pas grave. Ensuite, alors ça c'est un projet en cours. Le deuxième projet en cours, alors que je garde vraiment occasionnellement, parce qu'en ce moment j'ai pas mal de rendez-vous extérieurs où je dois me rendre avec ma fille et tout ça, donc j'ai commencé une paire de chaussettes, et comme ça je peux l'emmener me balader avec quand j'ai des rendez-vous, comme ça ne gêne pas. Donc dans un petit pochon, hop, toujours exécuté par ma tricopine Sophie, du tricoté d'Annet, voilà. Donc avec une petite poche devant, voilà, hop, où je peux mettre, voilà, mon mettre mes ciseaux et tout ça, hop là. Et puis ben, un petit pochon avec mes chaussettes, et c'est une laine que justement Sophie m'a offert aussi dans le cadre du calendrier de l'Avent. Donc c'est de la Katia. Je regarde par la fenêtre qui est en face de moi, parce qu'il y a justement la binette pelote que je laisse plus rentrer parce que bah, elle avait une caisse où elle allait, et elle allait aussi faire ses besoins sur mes meubles. Donc du coup, elle reste dehors. Voilà. Pour vous dire, au cas où vous entendiez le miaulement, ça m'étonnerait parce qu'elle miaule très faiblement, mais bon. Donc voilà, donc la United Sock de Katia, qui est super. Ouais, ça c'est le coloris 24 et le coloris 4. Alors je crois que le coloris clac, 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 4, c'est le beige. Voilà, c'est celui-ci. Là, ça tombe, c'est pas grave. Et ça, c'est le coloris
bleu, qui est le coloris 24. Enfin, bleu canard, bleu, je sais pas comment vous dire. Il rend pas trop mal là, avec caméra, ça passe. Alors donc petit peloton parce que je fais mes chaussettes par deux, donc j'ai séparé ma petite pelote puisque j'en avais une de bleu et deux de beige. Donc j'ai séparé pour faire les pointes, les talons et les coudes suivant ce que j'aurai assez de laine. Voilà. Donc ben, c'est un modèle, vous savez moi c'est du Guy Charbonneau dans la construction de la chaussette. Donc je commence par la pointe, j'augmente et ensuite je fais le dessin que je veux. Donc là j'ai fait un point de riz. Je savais pas quoi faire. Je les ai commencés, j'étais en attente à l'hôpital pour un examen pour ma fille. Et du coup, je les ai commencés là-bas. Donc, un petit point de riz, je me dis, allez, c'est pas compliqué, ça me prend pas la tête, j'ai pas besoin de modèle. Donc, j'ai fait comme ça. Alors, très jolie couleur, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elles vont bien ensemble. Et voilà. Mes chaussettes commencées pour le ben pour quand je ne suis pas à la maison et que j'attends patiemment que les choses se passent. Donc voilà. Alors donc je les tricote en deux. Attends, je vais remarquer ma oh, is. Voilà. Puisque c'est le en 2,25. En 2,25. Donc, bah, comme d'habitude, hein, vous savez, moi, c'est les deux en même temps, dès que je peux, en Magic Loop, ça ne me dérange pas du tout. Donc, c'est les deux en même temps. J'avais pourtant acheté des mini aiguilles circulaires pour justement faire les chaussettes, mais j'avais essayé sur les en commençant celle de démaillez-moi, le cal de démaillez-moi, mais ça me fait mal aux mains. J'avais essayé avec des 20, je crois que c'est des 23 cm que j'ai. Et je peux pas, ça me fait mal aux mains. Donc, bah, tant pis. Je les garde pour faire des bas de manche, enfin des côtes de manche, des choses comme ça va bien aussi. Donc voilà, dans ma petite pochette de Sophie. Donc voilà pour ce qui est des chaussettes. Donc je vous ai dit, hein, Guy Charbonneau, un motif tout bête. Bah écoutez, on a terminé les projets en cours. Alors je pense là, vraiment, alors, je sais pas, je vais essayer de monter un autre projet dont mon châle va se terminer là bientôt. Je vais essayer de monter en parallèle. Alors, je suis pas, je suis mono en cours d'habitude, mais là, j'avais envie de monter autre chose en même temps. Donc, soit si mon mari se décide sur un modèle, je lui monte un pull, soit je m'en monterai un pour moi aussi, parce que j'ai de la laine, j'ai racheté. Plein de laine, c'est pas bien, mais enfin que je me décide. Je sais pas quel modèle j'ai envie de me faire. Il y en a plusieurs, mais je sais pas lequel. Alors, je réfléchis pour l'instant, et puis bah je vous dirai ça la prochaine fois. Voilà, donc un petit peu de blabla. Je l'ai fait un petit peu avec le chat, la blessure, patati patata. Je vous raconte ma vie aujourd'hui. Non, un petit peu de blabla pour vous dire que je participe au Loto Tricot 2023 qui est organisé par Tricostérone Thibault. La chaîne YouTube Tricostérone, mais je pense que vous connaissez Thibault parce que super sympa avec toujours de très bonnes idées, toujours des mots pour rire, vraiment très très sympa. Bref, donc il a organisé un loto tricot. Donc on fait une grille avec 20 cases, on remplit 15 cases, il y a 5 cases qui restent,
pour un joker si on voit un modèle au cours de l'année. Ça dure toute l'année, hein. Donc, si on a un modèle au cours de l'année qui nous plaît et qu'on réalise, paf, on le met dans une de ces cinq cases. Et voilà. Lorsque on a terminé un projet, alors que ce soit la case 1, 15, 18, peu importe, on le coche. Et je crois que c'est tous les 25 du mois, on envoie à Thibaut notre case cochée avec la photo de ce qu'on a réalisé. Et il effectue en début de mois qui suit, donc je crois que c'est entre le 1 et le 7 de mémoire, il fait un tirage au sort. Et la personne, donc, qui est tirée au sort, et ben elle a un petit lot de laine, de patron, voilà, suivant ce que ses sponsors lui ont proposé. Et puis Thibaut a la gentillesse de nous faire des cadeaux avec l'argent qu'il reçoit de YouTube. Donc c'est super sympa de sa part de nous faire profiter lors de ces concours, de ces lotos. Et j'ai trouvé cette histoire de loto très très sympathique. Donc c'est un loto qui va durer 12 mois apparemment. Et tous les mois, ben voilà, on va pouvoir lui envoyer ce qu'on a fait. Et il fera des tirages au sort tous les mois. Voilà. Et je trouve que, en fait, pour ma part, je trouve que c'est sympa dans le sens où ça oblige un petit peu en début d'année, ça oblige un petit peu à réfléchir au projet qu'on veut faire dans l'année. Moi, par exemple, alors j'ai pas le modèle précis, mais bon, comme il nous demande par exemple dire un pull, bon, je ne vais pas faire un pull parce que je peux ressortir un pull que j'ai fait il y a 3 ans, donc ça ne serait pas très juste. Mais de préciser un petit peu, par exemple, comme là, j'ai mis le châle saison. Bon, le châle saison, c'est quelque chose de précis. Ensuite, pour mon mari, comme j'ai pas encore le modèle, j'ai mis la couleur du pull, par exemple. Un pull bleu pour mon mari, un pull taupe pour mon mari, voilà. Je préciserai après dans mes cases quel modèle j'aurais choisi. Voilà pour ce qui est du loto de Tricosterone. Et je trouve que c'est très très sympa. Alors je crois avoir vu parce qu'il a lancé une discussion sur Instagram, donc qui est très très sympa. Bon, moi je sais que je participe pas trop, je mets un petit mot de temps en temps, mais je suis pas une bavarde sur les réseaux, mais qui est très très bien animée par d'autres participantes à d'autres participantes à ce loto. Et c'est très très sympa, c'est très rigolo. Enfin, je les lis tous les jours, hein, plusieurs fois par jour, je lis les messages et je trouve que c'est super sympa. Et je crois la dernière fois que j'ai regardé, ça devait être avant-hier, hier, non hier peut-être, je crois qu'on est 46 participants déjà. Ah, je ne sais pas si Thibaut accepte toujours les grilles, parce que c'était jusqu'au 15 janvier. Ce serait, si ça vous intéresse, ce serait peut-être à lui demander si il accepte les grilles en cours d'année. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre là-dessus. Il faudrait lui poser la question. Voilà pour ce qui est du loto tricot 2023. J'espère qu'il y en aura un 2024 parce que c'est vrai que c'est très bien. Ça permet de réfléchir à d'autres choses, à d'autres projets et se planifier un petit peu sur l'année de ce qu'on a envie de faire. Ce qui n'empêche pas de faire des choses qui ne sont pas inscrites dessus et de les remettre dans les cases joker. Après, peu importe, hein, il n'y a pas de souci. Voilà pour le loto. Je voulais aussi vous faire part, alors pour toutes les personnes qui habitent la région Drôme, Ardèche, aux alentours de Adodey, Tournon,
T'as l'Ermitage, et puis tous ces coins-là. Le 12 février, il y aura à nouveau, comme chaque année, les puces des couturières qui se trouvent à Lamps. C'est près de Tournon, enfin entre Annonay et Tournon, pour situer à peu près, grosso modo. C'est des puces des couturières qui ont lieu toutes les années. Donc moi je sais que j'y vais toutes les années avec ma fille parce qu'il y a de très très nombreux. Alors la salle est petite, mais il y a quand même de nombreux exposants, je trouve, pour une petite salle comme ça. C'est très sympathique, on est très bien accueillis. Et puis il y a quand même de jolies choses à faire, quoi. Enfin, de choses intéressantes en tissu, en mercerie, tout plein de choses comme ça, vraiment très intéressant. Pardon. Donc, si vous pouvez y aller, c'est le dimanche 12 février à Lamps. Après, c'est indiqué hein, où se trouve la salle. Tout est bien indiqué comme chaque année. Voilà pour ce qui est des petites infos que je pouvais vous donner. Ensuite, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je suis en train de réfléchir, je vais faire des essais pour une nouvelle formule que j'ai vu chez d'autres podcasteuses que je trouve très sympa et je vais voir. Je vous en dis pas plus pour l'instant parce que je vais voir si déjà dans mon organisation je vais pouvoir le réaliser. Si ça va pas me prendre trop de temps, si voilà. Donc je vais essayer ça sur le mois de sur le fin janvier, quoique là c'est vraiment la fin du mois, mais début février, tout ça, je vais essayer d'organiser ça. Et puis le prochain podcast, ça me permettrait, enfin cette formule me permettrait de venir vous voir beaucoup plus régulièrement. Donc on verra. On verra, j'essaye et puis je mettrai ça en place. Je vous ferai une petite information pour vous dire si ça marche et si je le mets en place sur le mois de février ou au mois de mars. Voilà. Eh bien, ceci dit, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous ai parlé de tout. Je pense n'avoir rien oublié parce que des fois je me dis, mince, j'ai oublié de dire ça. Non, là j'ai parlé de l'auto, des puces des couturières. Ouais. Ah si, je voulais aussi remercier Florence. Ah, je vais y arriver. Florence. Qui m'a offert ces petits, je sais pas si vous les voyez bien, ces petits Progress Keeper. Ce sont des petits moutons de plusieurs couleurs. Alors il y en a un, deux, trois, quatre. Quatre petits moutons qui sont trop mignons. Elle nous a offert ça quand on s'est vu au tricoté d'Annonay le mardi après-midi. Et j'ai trouvé très sympa et Sophie aussi qui nous a offert, alors je l'ai pas pris avec moi, je vous montrerai la prochaine fois, un petit triangle en tissu avec des antimites dedans, vous savez, avec un bois, je sais plus ce que c'est, du cèdre je crois, avec du cèdre dedans pour éviter les mites dans les armoires, mais je vais y arriver. Voilà, en gros, voilà. Puis je vous montre. Alors, dans cette boîte pour le calendrier de l'Avent, j'avais des chocolats et
comme rien ne se perd, je m'en sers pour mettre mes marqueurs. Donc j'ai gardé cette petite boîte de chocolat pour mettre mes marqueurs, mes, voilà, toutes mes petites choses comme ça. Et je trouve que c'est très sympa. Et puis j'aime beaucoup cette petite boîte. Voilà. Hop. Comme ça, je peux l'emmener aussi si je veux. Je peux l'emmener avec moi. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous allez tous bien. Et puis, bon tricot à toutes, à tous. S'il y a des messieurs qui me regardent, oui, je sais, normalement, il y a Thibaut et Olivier qui me regardent. En principe, je leur fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous à toutes. Et puis, je vous dis à bientôt. J'espère au mois de février. J'espère parce que je ne sais jamais quand est-ce que j'ai le temps et l'envie. Parce que c'est vrai que moi, si je tourne, c'est parce que j'ai envie de tourner un épisode. Après, si j'ai rien à vous dire, voilà quoi. Je ne vais pas vous raconter ce que je vous ai déjà dit la fois d'avant. Donc, je vous embrasse tous. Je vous fais de gros bisous. Bonne journée, bon dimanche, et puis à très bientôt. Au revoir.